Salut à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo en zombie, donc un petit tuto comment faire le pack-a-punch en transit. Donc je suis en compagnie de Jordan qui s'amuse avec Jérôme, notre petit zombie, et nous allons aller au labo d'électricité. Donc je vais ouvrir la porte et Jordan il va prendre sa turbine et la poser au fond, juste en dessous quoi, vers la porte qui est condamnée. Où il y a dessus un carré vert et à l'intérieur un éclair. Donc il faudra mettre la turbine en direction de l'éclair. Donc nous attendons toujours vos défis sur GTA et vos séquences sur Black Ops. Donc je vais faire une petite ellipse et nous retrouvons à Ville. Voilà. Alors pour pouvoir faire le pack-a-punch, il vous faudra 1000 pour ouvrir cette porte. Et ainsi que deux grenades pour pouvoir ouvrir le coffre-fort. Donc deux grenades, une pour la première porte et une pour la pièce du fond. Voilà. Donc nous allons aller au pack-a-punch. Donc vous voyez que la salle est ouverte grâce à Jordan. Donc pour faire le pack-a-punch, il y a trois pièces et ils sont dans cette pièce. Ah, jeu de mots. Donc on va prendre l'établi ou l'espèce de table, je ne sais pas. Et nous allons crafter. Donc la table de craft se situe au fond. Donc c'est pas très pratique au cas où si vous êtes manche, une bonne manche et qu'il y a pas mal de zombies quoi. Donc après il vous faudra une batterie qui est là. Hop, voilà. Nous allons crafter. Et dans cette vidéo je ne vais pas l'utiliser malheureusement, je suis désolé, mais je pense que vous savez tous comment ça marche. Hein. Et la troisième pièce, ça sera le panneau écrit Pack-a-Punch dessus. Donc il est là, voilà. Donc c'est la plus grosse pièce. Hein. Donc excusez ma voix, hein, j'ai un peu mal à la gorge ce week-end, donc excusez-moi. Donc nous allons crafter. Et notre vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Salut!